Mais bonjour à tous, les amis javernauds, javernistes, javerniens. J'ai pas encore trouvé de nom à vous coller derrière, enfin si on peut dire ainsi. Si vous avez des idées, hein, on est toujours preneurs là. Donc vous resterez nos amis qui nous suivent régulièrement sur notre chaîne YouTube. Et puis non, on n'est pas dimanche, on est mercredi. Et puis j'ai eu énormément de demandes. De personnes qui disent, mais attends, Michel, il répare ci, il répare ça, il a l'outillage, etc. Comment il fait ci, comment il fait ça? Et puis, j'ai dit, ok, il faut que je m'attelle à cette grosse tâche. On m'a vraiment demandé, là, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on avait à bord comme outillage. Donc, j'ai préparé trois vidéos qui seront hors, si on peut appeler ça hors série, hein, qui ne seront pas dans les vidéos du dimanche habituel. Dans lesquels vous verrez, je vais détailler tout ce que j'ai à bord, enfin le 90% ou le 90% de ce que j'ai à bord. Il y a deux, trois petits trucs que j'ai pas encore été recherchés. J'ai encore deux, trois boîtes à droite, à gauche, cachées ou qu'il faudrait que je retrouve aussi dans ce bateau. Bref, voilà. Donc, première vidéo de cette série qui devrait paraître tous les mercredis, enfin trois mercredis d'affilée. Pour pas vous couper dans vos habitudes de la vidéo du dimanche. Allez, gros bisous à vous, bonne vidéo, et puis bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis si vous voulez vous désabonner, vous savez comment faire, hein, vous avez cliqué sur le truc, puis vous êtes désabonné. Voilà, allez, bonne journée à vous, gros bisous. Qu'y a-t-il dans la caisse à outils de Javerne, dans les caisses à outils de Javerne, pour que nous puissions être vraiment autonomes à travers le monde sans devoir recourir à tout bout de champ, à du matériel, à de l'outillage, à des choses comme ça? Donc, au travers de quelques vidéos, je vais essayer de vous montrer l'intégralité de ce que nous avons à bord, de ce qui permet de réparer le bateau, de faire face aux problèmes. Et ce genre de choses. Donc, on va passer à travers les différentes caisses à outils. C'est-à-dire qu'il y a deux caisses principales. Il y a une caisse mécanique pour bien entendu les problèmes mécaniques, une caisse électrique pour ce qui concerne l'électricité. Ensuite, les machines sans fil, une disqueuse et une perceuse sans fil. Ça, c'est le matériel le plus important. Et puis, on verra également toutes les autres outils spécifiques qui se sont rajoutés à tout ça. On va aller voir encore tout ce qui est visserie, boulonnerie, pièces de rechange, tous ces autres éléments qu'on a toujours besoin à bord d'un bateau pour vraiment pouvoir réparer très rapidement parce que c'est toujours le temps qui compte. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses. Alors, en préambule de cette vidéo, je vous présente la caisse à outils à Corinne, composée d'un marteau, d'une pince plate, d'un tournevis étoile et le plus important, le VD40. Voilà, simple comme outillage. La caisse à outils mécanique, comme son nom l'indique, qui comprend plusieurs niveaux. Donc le premier niveau, où on range pas mal de petits trucs simples, quelques bouchons d'huile, des rouleaux de Teflon, des raccords rapides en cas de besoin, un petit peu de boulonnerie mélangée, ça peut toujours dépanner, le fameux tournevis qui se met au bout de la clé à cliquer pour le sel drive, pour la vidange d'huile du sel drive. Là, j'ai tout un jeu de toutes petites mèches des 1 mm, des 0,8 mm. Pour, en cas de besoin, des fois ça peut arriver. Une pointe à tracer, quelques tournevis de précision, c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Différentes mèches en réserve, on a toujours besoin d'une mèche, il y en a une qui casse, etc. Donc j'en ai encore une réserve ici. C'est des mèches à faire, tout simplement. Et puis, on va descendre d'un étage. Et on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de la caisse.
pour se simplifier la vie et pour la compréhension. Donc on commence avec un mètre à rouleau. C'est un peu dans le désordre. Hein. Une pince multiprise. La douille spéciale de 28 pour le volant moteur. Un petit tournevis court étoile. Là, j'ai un petit jeu de clé de 6-7 mm pour des besoins un peu spéciaux que j'ai l'habitude. Là, j'ai un jeu de lame qui n'a pas lieu d'être là-dedans, mais c'est pas grave, c'est là. Des lames pour la scie sauteuse, des lames pour le cutter en réserve, deux jeux de clé imbus, très important. On a toujours l'idée d'en perdre un ou l'autre. Un pointeau et un pointeau cassé spécial, mais qui marche extrêmement bien pour sortir les axes des hélices du self-drive. Ça va glisser. Une passe bloquante, un petit cutter, une clé imbus de 4,5 mm qui est utile aussi pour des besoins spécifiques. Une pince à cire clips avec ses différents embouts, cire clips intérieur, cire clips extérieur, aussi très utile. J'ai quelques petits tarots de 3 et de 4 mm, c'est ceux qu'on casse le plus souvent, avec les mèches qui vont avec. Et ça, c'est pour le premier étage. On passe au deuxième niveau de la caisse à outils, dans lequel on va trouver une boîte de petits cliquets avec ses embouts, ainsi que les cliquets de différentes dimensions. On n'est qu'en métrique, hein. j'ai pas de mesure en pouces sur ce bateau, donc métrique uniquement. Donc la petite boîte de cliquets, la lime douce appelée communément un marteau, vous sort de pas mal de situations. Très important, une boîte de mèches cobalt. Le cobalt, c'est les meilleures mèches au monde. La boîte est très très chère, mais vous percez dans l'inox sans faire d'avant-trou. Vraiment d'une simplicité déconcertante. Donc mèche cobalt, ça c'est extrêmement important sur un bateau. Partout où il y a de l'inox en tout cas. Moi, on perce tout avec, mais je préfère percer que de l'inox avec cette boîte de mèche. J'ai également un pied à coulisse. Un pied à coulisse numérique, parce que mes yeux sont pas terribles pour voir des centièmes de millimètre. Là, j'ai un petit jeu de ciseaux à bois. Très important, toutes les loctites, toutes les colles loctites nécessaires. Donc du frein filet fort à la colle simplement, donc en fonction de ce que vous avez à bloquer. N'hésitez pas à en mettre partout, en tout cas de la bleue, qui est une bonne colle, mais qui permet de desserrer n'importe quoi, mais c'est quand même un peu plus serré que normal. J'ai encore un petit peu de réserve de Teflon. Un ciseau, ça peut aider. Deux sortes de brosses métalliques, une métallique et puis une en laiton. Donc sur des surfaces inox, ben, on utilise le laiton en général. D'autres types de brosses que je peux mettre sur la perceuse en fonction des besoins. Des petits feutres de ponçage. La bouteille de dépannage de VD40. Yops. Normalement, deux râpes à bois. Alors là, j'ai une clé fermée pour des mesures
un petit peu spécial. Enfin, c'est 20, 25, 28, mais pour un endroit bien précis sur le bateau. J'ai encore une réserve de lame de cutter. Une petite lime triangulaire pour aller n'importe où. Une scie à métaux, toujours détendue, prête à l'emploi. Ça, on a vu. Et encore deux mèches hors diamètre qu'on n'a pas dans les boîtes de mèches standard. Donc, c'est vraiment les gros diamètres. Là, on arrive à 16 mm de tête, comme ça. C'est du 3 quarts, pardon, 3 quarts. Et une mèche métrique de. Enfin, c'est du gros. Voilà, ça peut toujours dépanner si on a un trou à faire. Mais par contre, qui s'adapte avec la queue, qui s'adapte sur une perceuse standard. Donc jusqu'à 13 mm, les perceuses standards, 12 ou 13 mm. Voilà l'intégralité de la caisse mécanique, tout ce que j'ai besoin en général pour du dépannage mécanique. Un kit complet de clé à fourche, qu'on appelle open box, avec un côté œillet, l'autre côté fourche, et une supplémentaire que j'ai besoin sur le bateau, qui est du 25. Une clé à molette à utiliser le minimum possible. Utilisez toujours les clés adaptées, c'est vachement mieux et ça évite de se trouver avec des écrous arrondis et des boulons arrondis. Le marteau un poil plus gros. Là, j'ai une masse sans son manche, mais c'est plutôt pour servir d'appui en cas de besoin. Un pied de biche, toujours utile. Encore une scie à métaux, j'en ai deux, c'est important. Un morceau de bois, ça peut toujours servir pour soutenir quelque chose. Et très très important, un grand tissu pour couvrir la table lorsqu'on bricole, pour pas salir la table, pour pas salir les endroits où on travaille. Alors, toujours en ce qui concerne la mécanique et les différentes interventions qu'on doit faire, une boîte d'embout. Très 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 complet. Un jeu de petits tournevis de précision. Une boîte de mèche cloche. Une fine, c'est-à-dire une petite machine qui permet de poncer, de couper, de ciser, de cisailler n'importe quelle matière à n'importe quel endroit. La fameuse machine multi-tool. Genre Dremel à 25 € sur tous les sites habituels, hyper pratique pour des tout petits travaux de précision. Une boîte de cliquet complète, vraiment complète. Une deuxième boîte de cliquet au cas où on perd des outils de l'autre. Ça peut toujours aider. Une pince hydraulique pour faire les embouts de cosse. Pour les gros câbles, donc très important. Une pince coupante de câbles, des produits de protection lorsque vous avez terminé un montage électrique. Ça fait une pellicule de plastique par-dessus votre installation et ça évite vraiment l'oxydation. Donc vous démontez, vous remontez, vous mettez un coup de bonbonne de spray plastique, hyper pratique. Une scie sauteuse, toujours utile. Un rabot électrique, idem. La pompe à silicone avec de la colle, du silicone UV, du silicone normal, enfin des mastiques colle des Sika, Sika Flex. Au niveau mécanique, on est bon. Caisse électrique avec premier niveau l'étain à souder, quelques portes fusibles, un petit sucre en cas de besoin, fusible, Teflon, je sais pas pourquoi là,
Quelques ampoules de réserve, il reste une ou deux ampoules encore sur ce bateau. Ça, c'est ma jauge de contrôle des safrans. Et pour ce niveau, c'est tout. On descend un cran. Et c'est parti pour la suite. Donc, les pinces. Pinces plates. Pinces à dénuder. Pinces coupantes. Petite pince à bec. Petite pince coupante. Le ciseau miracle qui permet de couper n'importe quelle taille de câble électrique. Absolument génial. Pour faire des trous plus ou moins grands dans du plastique, dans n'importe quel matériau. Très pratique. Mini brosse métallique. Et cuivre, et laiton. Et ensuite, on a la série de tournevis nécessaires. Donc, un gros tournevis plat, un deuxième tournevis plat, un tournevis d'électricien, un deuxième tournevis d'électricien. Ensuite, on passe dans les tournevis Phillips ou cruciformes, différentes tailles. Là, il y a encore un plat isolé. Voilà, tournevis étoile. Un petit tournevis étoile et deux tournevis torque. Parce qu'il est arrivé qu'on ait des vis torque. Donc ça, c'est le deuxième niveau avec encore une lame de scie en cas de besoin. Et puis une lame de cutter qui peut aussi dépanner. On passe au deuxième étage de la caisse électrique. Donc avec multimètre. Alors celui-là est très important avec la pince ampérmétrique. Pince ampérmétrique fonctionnant en courant continu. Il existe des pinces ampérmétriques pour le courant alternatif, mais sur un bateau c'est du continu pour la majorité des cas. Un deuxième multimètre au cas où. Deux pinces à cosse pour les rapides et pour les mieux. Du caoutchouc adhésif, et ça c'est génial, ça permet d'isoler, mais le fait de le tendre va le serrer sur ce que vous utilisez. C'est absolument génial comme système, et c'est hyper étanche en cas de besoin. Vraiment très bon matériau. Le fer à souder 220 volts. De la toile isolante standard. La pâte à souder pour le fer à souder. Un petit testeur de courant. Il y a du courant, il n'y a pas de courant. Une jauge pour connaître le diamètre des sections de câbles. Un petit appareil pour dénuder les câbles. C'est pratique, on met le câble à l'intérieur, on peut le dénuder très rapidement. Permet de dénuder des tout petits câbles, très fins, aussi pratique. Le cutter standard, toujours utile. Et puis, une grande variété de taille câble, d'attache rapide. De toutes les tailles, de toutes les dimensions, de toutes les couleurs. Ça, on en a besoin à tout instant, partout dans le bateau. On enlève, on remet. Voilà, la caisse à outils terminée. Voilà, on passe à la caisse de l'outillage électrique portable, dans lequel on va trouver des tas de trucs. Alors, des boîtes de mèches.
Voilà, un jeu de mèche cobalt encore en plus. Jeu de mèche à ferraille standard. Jeu de mèche à bois. Un jeu de tarot de M3 à M12 avec les mèches correspondantes pour faire le perçage. Là, on a différentes cales. S'il faut s'appuyer sur quelque chose pour faire des trous et autres. Une disqueuse. Donc une meule à disque. Bon, là j'ai de l'ILTI, toutes les marques fonctionnent très bien, c'est clair qu'ILTI c'est quand même du super bon matériel. Ensuite, la perceuse, mais qui fait également visseuse, visseuse-dévisseuse, ILTI avec ses batteries. Là, encore une petite boîte de mèche, là. Une petite boîte d'embout qu'on met au bout de la perceuse, autant avec de l'imbus qu'avec des tournevis plats, tournevis étoiles. On gagne du temps quand il y a beaucoup de vis à démonter. Une mèche conique pour quand on a fait des jolis trous pour qu'ils soient bien ébavurés ou si on doit mettre une vis tête fraisée. Le chargeur pour les batteries, pour tous ces appareils. Quelques disques de réserve. Toujours très pratique parce que ça casse vite. Mais bon, en 4 ans, on a cassé. Voilà, on a utilisé 3 ou 4 disques, hein, donc c'est pas énorme. Un disque à pierre, au cas où. Hein, lui, il a fait son temps. Donc, c'est pas une trop trop grosse consommation. La clé qui permet de sortir les disques à couper ou à tronçonner ou à meuler. Voilà, tous les disques, on les trouve dans le marché, hein, n'importe où, donc ça, c'est pas un problème. C'est des choses qui se trouvent facilement. Voilà l'outillage sans fil de Javerne. Et si possible, rangez vos caisses à outils dans un endroit le plus sec possible, avec le moins d'humidité possible. Donc à ce sujet, j'ai choisi la cale moteur, qui est relativement bien abritée. Ça rouille pas trop vite, bien sûr, tout va rouiller toujours, mais ça rouille beaucoup moins vite.